Bonjour les tricopines et les tricopins, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gulle pour réaliser cette très jolie robe. C'est une petite robe à bretelles, donc c'est pour du 9-12 mois. Nous avons un point fantaisie ici que moi j'appelle aile de papillon, qui est très très simple à réaliser. Et nous avons un autre point fantaisie ici avec des triangles et des petits losanges. Donc je ne connais pas le nom de ce point fantaisie. Donc vous allez voir que c'est une robe qui est très simple à réaliser. Il se tricote en deux parties, la partie devant, partie du dos qui se tricote à l'identique, sauf pour le dos, nous allons rajouter des bretelles. Nous allons tricoter des bretelles. Donc c'est une robe qui est très très simple, vous allez voir. Alors pour la réaliser, il nous faut 4 boutons, des aiguilles numéro 3,5 parce que je tricote moi avec des aiguilles numéro 3,5. Et alors il nous faut une pelote de laine. Je le dis dans la partie description pour ce qui est des caractéristiques de cette laine, mais je le dis aussi dans la vidéo, mais je préfère vous le dire maintenant aussi. Donc cette robe, je l'ai réalisée avec une pelote. Et voici la deuxième pelote. J'en ai utilisé vraiment très peu, que quelques mètres pour réaliser. Donc je ne sais plus où j'avais attaché. Voilà. Pour la bretelle, il a fallu que j'utilise ma deuxième pelote. Et vraiment, voilà, regardez. De là à là. Il m'a manqué que ça de ma première pelote. Donc je l'explique dans la vidéo et je vais vous le dire maintenant tout de suite. Pour que ça soit plus simple, si vous ne vous désirez pas commander une deuxième pelote, ou alors si vous n'avez qu'une pelote sous la main, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement faire la partie ici, regardez, la partie du point fantaisie dans une autre colorie, ou alors entre chaque point fantaisie, nous avons 4 rangs, vous pouvez à une rangée faire 3 rangs. Vous pouvez faire que 3 rangs de façon à économiser un petit peu de laine et pouvoir tricoter cette jolie robe avec une seule pelote. Si vous avez, vous pouvez très bien commander une deuxième pelote parce que moi j'ai celle-ci, donc je ferai peut-être un petit gilet, peut-être un bandeau ou des petits chaussons. Donc la laine, vous savez que ce n'est pas perdu et on peut très bien l'utiliser pour faire un gilet avec plusieurs couleurs. Donc j'ai un projet de gilet pour petit garçon avec 3 ou 4 couleurs, je ne sais plus. Donc voilà. Alors je vous ai dit, il nous faut 4 boutons et vous pouvez, si vous désirez, regardez au niveau des bretelles, les faire plus longues. Vous pouvez les faire plus longues, donc les tricoter exactement comme je vous l'explique dans la vidéo, faire vos boutonnières et après vos boutonnières, je vous ai tricoté pendant 4 rangs, vous pouvez tricoter pendant 5-6 rangs et refaire une autre rangée de boutonnières et l'utiliser au fur et à mesure que votre petite princesse grandit. Au début, donc, vous pouvez très bien l'utiliser comme robe et puis après comme tunique quand votre enfant grandit. Donc, comme ça, vous pouvez l'utiliser plus longtemps. Je vais vous donner les dimensions totales. Regardez, je pars au niveau du devant. Jusqu'en bas, j'ai 31 à 32 cm à peu près. Au niveau de la largeur, sous les manches, ici, 26 cm à peu près. Alors, les bretelles. Et je vais vous le dire aussi. Alors, l'emmanchure, regardez. Du devant ici jusqu'à l'emmanchure là. Regardez au début ici de l'emmanchure. Nous avons 10 cm. Et pour nos bretelles, nous avons 7 à 8 cm. Voilà les tricotines. Donc, j'espère que j'ai tout dit. Nous pouvons. Donc, si vous le désirez, passez à la partie réalisation. Il nous faut aussi, bien sûr, 2 anneaux marqueurs facultatifs, mais c'est mieux d'en avoir. Une aiguille à laine
pour coudre, une aiguille pour coudre vos boutons. Voilà les tricopines, si vous êtes, et les tricopins, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre petite robe, donc j'ai déjà tricoté une partie. Elle se tricote en deux morceaux. Donc j'ai déjà fait un morceau et le deuxième, on va le faire ensemble, vu que les deux morceaux sont identiques, sauf que nous allons faire des bretelles pour notre morceau. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons des jolis petits points fantaisie qui sont ici. Regardez, des ailes de papillon, on appelle ça comme ça. Si vous avez un autre nom, vous pouvez me le dire. Et ici, regardez, en bas de la robe, nous avons un autre point fantaisie. Donc, ça c'est le haut, les emmanchures. Alors, nous allons tricoter le deuxième morceau ensemble. Alors, la laine que j'utilise, c'est la laine Merino de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 300 mètres. Alors là, vous avez 80% d'acrylique et 20% de laine. Vous pouvez très bien tricoter cette robe avec du coton aussi ou une autre laine comme vous désirez. Alors avec du coton, vous aurez une petite robe d'été. En coton, ça peut être, avec de la laine, pardon, ça peut être une petite robe d'hiver. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 93 mailles. Vous montez 93 mailles. Et vous allez tricoter deux rangs au point mousse. Un rang tout à l'endroit et le deuxième rang de nouveau tout à l'endroit. Maintenant, nous sommes à notre premier rang pour le point fantaisie. Nous allons tricoter quatre mailles. Alors, je passe la maille lisière et on tricote trois mailles à l'endroit. Alors, le problème avec les aiguilles longues, c'est que ça tape partout. Voilà. Donc, une maille lisière, trois mailles à l'endroit. Nous allons faire un jeté, cinq mailles à l'endroit. Une, deux, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Un surjet simple, je glisse la première maille sans tricoter, je tricote la deuxième maille et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Et je tricote de nouveau 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, 5 mailles à l'endroit. Un surjet simple, je prends la première maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus. Et je tricote 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5. Un jeté. Et on reprend 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5. Donc, je vérifie. 5 mailles à l'endroit. Un surjet simple. 5 mailles. 1, 2, 3. 4, 5 mailles à l'endroit. Un jeté. 5 mailles à l'endroit. Alors je vérifie. 4, 5 mailles à l'endroit. Un surjet simple. 5 mailles à l'endroit. Un jeté. Et je reprends 5 mailles à l'endroit.
1 sur G simple, 5 mailles à l'endroit. Un jeté. 5 mailles à l'endroit. 1 sur G simple, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. On a fait notre sur G simple, donc 5 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. 1 sur G simple, 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et on termine avec 1 jeté, 1 sur G simple et 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. On tourne le deuxième rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc, deuxième rang, toutes vos mailles ainsi que vos jetés, vous allez les tricoter à l'envers. Donc, terminez le deuxième rang et on se retrouve au troisième rang. Alors, le troisième rang. Alors, j'ai oublié de vous dire que mes aiguilles, ce sont des aiguilles numéro 3 et demi. Donc, je tricote avec des aiguilles numéro 3 et demi. Vous choisissez. Donc là, regardez, on nous dit 3 et demi ou 4. Donc, si vous tricotez trop serré, vous pouvez utiliser le numéro 4. Si vous tricotez normal, pas trop serré, vous pouvez utiliser les aiguilles numéro 3,5. J'ai oublié de donner l'échantillon. Donc, vous avez 18 mailles pour 27 rangs pour faire un carré de 10 sur 10. Alors, donc aiguille numéro 3,5. Le troisième rang, on a notre maille lisière. Une maille à l'endroit. Et maintenant, je vais faire, regardez, deux mailles ensemble comme ceci. Alors, j'ai un problème avec... Voilà. Deux mailles ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté et on va tricoter 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je vais passer, regardez, 1, 2 mailles sans tricoter sur mon aiguille de gauche, de droite, excusez-moi. Je tricote la maille qui suit et les 2 mailles, regardez, je les fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Donc on fait ceci pour avoir, regardez, ce très joli rendu comme ceci, regardez, vous voyez au milieu. Donc c'est un surjet double mais fait différemment. Alors, et on termine, enfin on termine pas, on tricote 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, 4 mailles à l'endroit. Je glisse 2 mailles sans tricoter sur mon aiguille de gauche, je tricote la maille qui suit et les 2 mailles, regardez, je les prends comme ceci et je fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Et 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 4 mailles à l'endroit. Je glisse
deux mailles comme ceci sur mon aiguille de droite. Je tricote la maille qui suit et les deux mailles que j'ai glissées, regardez, je prends avec l'aide de mon aiguille de gauche et je fais passer par-dessus la maille tricotée et je tricote 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit. Je glisse 2 mailles sans tricoter sur mon aiguille de droite. Je tricote la maille qui suit et les mailles que j'ai glissées, regardez, je les fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée et je tricote 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un surjet double, donc je glisse 2 mailles sans tricoter sur mon aiguille de droite, je tricote la maille qui suit et les 2 mailles. Vous pouvez les faire passer un par un ou prendre les 2 mailles ensemble et les faire passer par-dessus la maille tricotée. 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 4 mailles à l'endroit. Je glisse 2 mailles sans tricoter. Je tricote la maille qui suit et je fais passer les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je glisse 2 mailles sans tricoter. Je tricote la maille qui suit. Et les 2 mailles, je fais passer par-dessus 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 2 mailles à l'endroit. Le quatrième rang. Vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Le cinquième rang, nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons tricoter donc une maille lisière. 2 mailles ensemble comme ceci. 2 mailles ensemble, donc ça c'est vers la droite. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 3 mailles à l'endroit. Et on refait, regardez. 1, on glisse 2 mailles à l'endroit. On tricote la maille qui suit. Et les 2 mailles que nous avons glissées, on fait passer par-dessus la maille tricotée. Alors. Et 3 mailles à l'endroit. Alors, j'aime pas du tout ce résultat, c'est pas celui que je voulais. Alors, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Donc, vaut mieux prendre les 2 mailles comme ceci, vous les glissez, vous tricotez la maille qui suit. Et les 2 mailles qui suivent, que nous avons glissées, on les fait passer par-dessus. Regardez, c'est plus joli comme ceci. Donc, je vous le remontrerai. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. Regardez. On prend les 2 mailles comme ceci, comme pour les tricoter ensemble, et on glisse.
on tricote la maille qui suit et les deux mailles que nous avons glissées sans tricoter, on va les faire passer par-dessus. Donc de cette façon-là, je trouve que, regardez, le résultat est plus joli. Donc en début de vidéo, je reprendrai cette partie. 3 mailles à l'endroit. Après, c'est juste pour le visuel, regardez. C'est beaucoup plus joli comme ça que comme ça. Donc, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 3 mailles à l'endroit, regardez. Les deux mailles, on les prend comme ceci, comme pour les tricoter ensemble. Et on ne les tricote pas. On tricote la maille qui suit. Et ces deux mailles, on les fait passer par-dessus. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. Donc je vous montre ce que nous obtenons. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je prends, regardez, les deux mailles comme ceci. Un, je tricote une maille et les deux mailles, je les fais passer par-dessus. Et je tricote 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles. Je glisse comme ceci, je tricote une maille et je fais passer par-dessus. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je glisse les deux mailles comme ceci, comme pour les tricoter. Je tricote la maille qui suit. Et je fais passer par-dessus les deux mailles glissées ensemble. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Et je termine avec un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Et une maille à l'endroit. Nous avons terminé notre cinquième rang. Le sixième rang, nous sommes sur l'envers. On va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Et on se retrouve... Alors, le septième rang. Une maille lisière. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble comme ceci. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Maintenant, nous allons faire une maille à l'endroit. On glisse deux mailles, une, deux. Deux mailles ensemble sans tricoter, on tricote la maille suivante et les deux mailles glissées, on fait passer par-dessus notre maille et on tricote une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, je glisse deux mailles ensemble, je tricote la maille qui suit. Et les deux mailles glissées, je fais passer par-dessus et je tricote une maille. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple.
une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Je vous montre le rendu. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, je glisse deux mailles ensemble sans les tricoter, je tricote la maille qui suit et je vais passer les deux mailles par-dessus et je tricote une maille. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Je glisse, pardon, une maille à l'endroit et je glisse les deux mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Et je fais passer les deux mailles glissées par-dessus la maille tricotée, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, je glisse une maille sans la tricoter, je tricote la maille suivante et la maille glissée, je fais passer par-dessus. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, deux mailles glissées ensemble, et je tricote une maille et les deux mailles glissées ensemble, je fais passer par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, deux mailles glissées ensemble, une maille à l'endroit. Et je fais passer les deux mailles glissées par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, deux mailles glissées ensemble, je tricote une maille et les deux mailles glissées ensemble, je fais passer par-dessus, une maille à l'endroit, un jeté. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, une, deux mailles à l'endroit. Voilà le rendu de notre septième rang. Le huitième rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Neuvième rang, de nouveau sur l'endroit. Donc, une maille lisière, deux mailles à l'endroit, un jeté. Et maintenant, nous allons faire un surjet double, c'est-à-dire comme tout à l'heure, regardez, mais un petit peu modifié. On glisse les deux mailles ensemble, on tricote la maille qui suit et on fait passer
les deux mailles glissées par-dessus. On a fermé, regardez notre petite feuille. Alors, à jeter. Une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Et maintenant, on glisse deux mailles ensemble. On tricote la maille qui suit et on fait passer par-dessus. Un jeté. Trois mailles, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Je glisse deux mailles sans tricoter. Je tricote la maille qui suit et je fais passer par-dessus. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Un jeté. Et on va refaire, regardez, deux mailles ensemble sans tricoter. On tricote la maille qui suit et on peut passer les deux mailles glissées par-dessus. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Un jeté. Je glisse deux mailles sans tricoter ensemble. Je tricote la maille qui suit et je fais passer les deux mailles glissées par-dessus. La maille tricotée. Un jeté. Trois mailles à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Un jeté. Je glisse deux mailles ensemble. Je tricote une maille. Et je fais passer par-dessus. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Je glisse deux mailles, je tricote une maille et je fais passer par-dessus un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Et on fait un surjet double, donc comme ceci, on glisse les deux mailles et on fait passer les deux mailles sur la maille tricotée. Un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Deux mailles ensemble sans la tricoter. On tricote la maille qui suit et on fait passer les deux mailles glissées par-dessus. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Je glisse deux mailles. Je tricote une maille à l'endroit et je fais passer les deux mailles glissées par-dessus la maille tricotée, un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Un jeté. Deux mailles ensemble. Et je tricote une maille. Quand je dis deux mailles ensemble, c'est on glisse deux mailles ensemble. On ne les tricote pas. Un jeté. Une, deux, trois. Un jeté. On glisse deux mailles ensemble sans tricoter. On tricote la maille qui suit. Et on fait passer par-dessus. Un jeté. Trois mailles à l'endroit. Un jeté. Deux mailles ensemble. Regardez, je glisse deux mailles sans tricoter. Je tricote une maille. Et je fais passer mes deux mailles par-dessus. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté.
je fais glisser deux mailles ensemble, je tricote la maille qui suit et je fais passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, les mailles glissées par-dessus la maille tricotée à jeter. Donc là normalement vous avez bien compris, 3 mailles à l'endroit, un jeté, encore donc 2 mailles glissées ensemble, on tricote une maille, on fait passer par-dessus, comme ceci, un jeté, et on termine avec une, deux, trois mailles à l'endroit. Donc ça, c'était notre 9e rang. Maintenant, le 10e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles. Le 11e rang, nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. Donc, une, la maille lisière, 2, 3, 4, donc 5 mailles avec notre maille lisière. Un jeté. Nous allons faire un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Je vous montre, comme ça vous voyez le rendu, donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, un surjet, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté,
une maille à l'endroit à jeter. Un surjet simple. Une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, et on termine avec cinq mailles à l'endroit. Nous avons terminé notre 11e rang. Regardez, nous sommes comme ceci. Le 12e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles. 13e rang, alors, on passe notre maille lisière et on tricote 5 mailles à l'endroit. Au total, 6 mailles avec notre maille lisière. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, voilà. Donc, 6 mailles. Avec notre maille lisière, un jeté. Nous allons faire un surjet double. Donc, en prenant les deux mailles ensemble, en les glissant sans tricoter, on tricote la maille qui suit et je fais passer par-dessus. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Un jeté. Et on refait la même chose, regardez, deux mailles glissées ensemble. Je vais dire un surjet double, mais vous savez qu'il faut le faire de cette façon-là. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Un jeté. Un surjet double. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet double. Et je fais passer par-dessus un jeté. Donc, trois mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet double. Donc j'appelle ça comme ça, mais on fait la méthode que je vous ai montrée pour éviter de me répéter. Un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet double. Donc, je vais passer par-dessus, un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté. Deux mailles ensemble. On glisse deux mailles sans tricoter ensemble. Donc on fait un surjet double. Un jeté. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Un jeté. Un surjet double. Un jeté. Donc, trois mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double. Un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, trois mailles à l'endroit, un jeté,
insurgé. Double. Un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double. Un jeté et on termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, notre 13e rang. Alors, le 14e rang, toutes nos mailles à l'envers. Le 15e rang, nous avons notre maille lisière et après notre maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Avec notre maille lisière, nous avons 8 mailles. 1, jeté. Un surjet simple. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et on reprend, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 7 mailles à l'endroit. Cette maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 7 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet simple. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, et on fait un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Et on termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Donc notre 15e rang et voilà comment nous sommes. Le 16e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles
à l'envers. Et on va se retrouver au 19e rang qui, par la même occasion, est... Alors, notre 17e rang, nous allons tricoter 9 mailles à l'endroit. Notre maille lisière est 8 mailles à l'endroit, plutôt. Si vous tricotez votre maille lisière, ça vous fait 9 mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un jeté et nous allons faire un surjet double. On glisse nos deux mailles sans les tricoter. On tricote notre maille. Tiens, bizarre. Voilà. Peut-être trop serré mes mailles. Un jeté. Maintenant, on tricote 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Et on refait ici un surjet double. Un jeté. 9 mailles à l'endroit. Ah, j'ai oublié de faire le jeté ici avant de faire mon surjet double. C'est important de faire les jetés comme ça. On ne fait pas de diminution, on fait juste un point fantaisie. Donc si on ne fait pas nos jetés, on va se retrouver avec moins de mailles qu'au départ. On doit toujours avoir nos 93 mailles sur nos aiguilles. Un jeté, donc un surjet simple, un jeté, 9 mailles à l'endroit. Neuf mailles, alors attendez, est-ce que j'ai bien compté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. À l'endroit, un surjet double. Un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, donc un surjet simple, un surjet double, excusez-moi, un jeté, 3 mailles, 9 mailles à l'endroit, excusez-moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra. Elle tangue. Voilà. Un surjet double, un jeté, 9 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un jeté, un surjet double, un jeté. Et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Maintenant, ce que vous allez faire, nous avons terminé, regardez, notre bordure. Vous allez tricoter
votre 18e rang sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, vos 93 mailles à l'endroit. Vous tournez, vous tricotez de nouveau toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve sur l'endroit de notre travail pour former. Alors, une fois que nous avons terminé de tricoter, regardez, après votre rang envers, donc nous avons tricoté un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et nous sommes de nouveau sur l'endroit. Alors maintenant, nous allons alors, on va reprendre ici, donc on va dire que c'est notre rang numéro 1. Et nous allons commencer à former nos ailes de papillon ici. Alors, pour cela, on va tricoter notre maille lisière. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Voilà notre point aile de papillon. Maintenant, 7 mailles à l'endroit. Sept mailles à l'endroit et on reprend. Deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Sept mailles à l'endroit. On reprend notre point, deux mailles. Ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Et on reprend, on continue donc avec 7 mailles. 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Et on continue donc 7 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et on reprend notre point fantaisie. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. 7 mailles à l'endroit. Sept mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, et là je sais pas pourquoi je termine, donc et on termine notre rang avec 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et une maille à l'endroit. Alors, nous avons terminé pour notre rangée d'ailes de papillon de notre point fantaisie. Maintenant, sur l'envers, le deuxième rang, vous êtes à l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers.
Donc, deuxième rang, toutes vos mailles à l'envers, ainsi que vos jetés. Troisième rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Quatrième rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Cinquième rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sixième rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et on va se retrouver à notre septième rang pour décaler notre point. Alors, le septième rang, nous allons passer notre maille lisière et tricoter cette maille. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et on refait exactement la même chose, c'est-à-dire pour notre point fantaisie, deux mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Sept mailles à l'endroit. Je vous montre et on refait la même chose. C'est-à-dire deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Sept mailles à l'endroit. Sept mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Sept mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Sept mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, sept mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, sept mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Et je termine avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors si vous terminez avec huit mailles, c'est vraiment pas grave, c'est même, je crois, même normal. J'ai dû perdre une maille en route. Donc, ne vous inquiétez pas si vous terminez avec 8 mailles à l'endroit. Ça n'a absolument pas d'importance. Ça ne changera rien au résultat de votre robe, ni au rendu de votre point fantaisie. Donc, maintenant, vous allez tricoter. Le 8e rang, tout à l'envers. Le 9e rang, tout à l'endroit. Le 10e rang, tout à l'envers. Le 11e rang, tout à l'endroit. Le 12e rang, tout à l'envers. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez reprendre du rang numéro 1
Donc, vous reprenez du rang numéro 1 au rang numéro 12, encore 3 fois. Vous allez répéter. Une fois que nous avons tricoté du rang numéro 1 au rang numéro 12, encore 3 fois. Donc, vous allez tricoter. Une fois que vous avez tricoté 3 fois, vous allez tricoter un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, un troisième rang tout à l'endroit, et on va se retrouver, et on se retrouve sur l'envers du travail. Donc, ce qui représente à peu près, regardez, après avoir fait vos derniers points fantaisie, ce qui représente à peu près 2 cm en jersey endroit. Donc, nous sommes sur l'envers, nous avons besoin d'un nœud marqueur. Alors, les 11 premières mailles, nous allons les tricoter à l'endroit en comptant notre maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vérifie. Parfait. Et je place un anneau marqueur. Maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'endroit, à l'envers, excusez-moi. Après les mailles à l'endroit, je tricote mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 11 mailles. Ça doit nous faire 71 mailles à peu près que nous allons tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste donc 11 mailles, et les 11 dernières mailles, nous allons les tricoter à l'endroit. Alors, je continue à tricoter à l'envers. Comme nous avons 93 mailles, donc ça nous fait 71 mailles à l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai tricoté une en plus, 11. Donc, je place mon anneau marqueur, je passe mon fil derrière et les 11 dernières mailles, je les tricote à l'endroit. Voilà, donc je vais vous montrer ce que nous sommes en train de faire, c'est cette partie. Nous sommes en train de former l'emmanchure de notre robe. Nous sommes à ce niveau-là. Alors, nous sommes sur l'endroit. Nous allons tricoter donc nos 11 mailles. À l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je tricote 4 mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire des diminutions pour former la taille. Alors, 2 mailles ensemble. Vous prenez 2 mailles ensemble et vous les tricotez. 2 mailles ensemble, 2 mailles
ensemble jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles avant notre anneau marqueur, soit avant nos 11 mailles de bordure, ou au total il va nous rester 16 mailles. Donc on tricote 2 par 2 nos mailles. Donc toujours 2 par 2. Je tricote 2 mailles ensemble. Donc on tricote toujours 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble et deux mailles ensemble. Il me reste 4 mailles à l'endroit et non 5. Et je tricote. Oui, donc si vous reste 5 mailles, ce n'est pas un problème. Il faut que vous ayez au total 62 mailles sur votre aiguille. Et les 11 mailles de bordure à l'endroit. Droit. Maintenant, vous allez tricoter encore pendant. Alors, que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4. On a tricoté. Donc, on a tricoté ce rang-ci ensemble. Nous avons fait des diminutions. Sur l'envers, vous allez tricoter. Toujours, quand vous êtes sur l'envers, vos 11 mailles de bordure à l'endroit et vos autres mailles à l'envers. Donc ça, nous sommes sur l'envers, les 11 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et le reste, vous allez tricoter à l'envers. Et vous allez répéter encore 4 fois. C'est-à-dire, une fois que vous avez terminé votre rang, vous allez tricoter encore 4 rangs. Vous allez tricoter 4 rangs et on va se retrouver. Alors, une fois que nous avons terminé, regardez. Vous avez 1, 2, 3, 4 barres de points mousse. Nous sommes sur l'endroit. Et maintenant, nous allons pour l'emmanchure rabattre 5 mailles. Donc, par la méthode du surjet simple, je tricote une maille et la première maille, je la fais passer par-dessus. Ça me fait 2, 3, 4. C'est la méthode du surjet simple. 5. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc, on tricote les 5 mailles à l'endroit, on glisse là nos marqueurs et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
On continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Nous allons de ce côté-ci faire les diminutions sur l'envers. Donc on tricote nos 11 mailles aussi, après là nos marqueurs, donc toutes nos mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'envers et on fait exactement la même chose. Regardez, par la méthode du surjet simple, on tricote et on fait passer par-dessus et on rabat ainsi 5 mailles. 2, 3, 4, 5. Et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles, plus la maille qui est sur notre aiguille, 6. Je glisse là nos marqueurs et maintenant je tricote mes mailles jusqu'à au prochain anneau marqueur à l'envers. Donc, une fois qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur, nos 6 mailles, nous les tricotons à l'endroit. Alors, une fois que nous sommes sur l'endroit, on va tricoter nos mailles, nos 6 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je fais une diminution par la méthode du surjet simple. Je glisse la première maille, je tricote la deuxième et la maille glissée, je la fais passer par-dessus. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur. Les diminutions, nous allons les faire après le premier anneau marqueur et avant le deuxième anneau marqueur. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles au niveau de l'anneau, avant l'anneau marqueur. Voilà. Mon anneau marqueur est là et il me reste 2 mailles. Et les 2 mailles, regardez, je fais une diminution comme ceci vers la droite. Je glisse et je tricote les 6 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 6 mailles. Nous sommes à notre deuxième diminution de chaque côté. Donc, nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je fais un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote une maille et la maille glissée, je la fais passer par-dessus. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur.
Voilà. Donc, deux mailles avant l'anneau marqueur et je les prends ensemble comme ceci. Et je termine avec mes 6 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi encore pendant 5 fois. Donc, vous tricotez vos mailles sur l'envers. Donc, vos mailles, vos 6 mailles de bordure à l'endroit, vos autres mailles à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous refaites une diminution de chaque côté de vos anneaux marqueurs. Après le premier et avant le deuxième anneau marqueur. Vous allez répéter 5 fois, c'est-à-dire 5 rangées de diminution. Au total, il doit vous rester sur vos aiguilles 38 mailles. Une fois que vous avez vos 38 mailles, alors, une fois que vous avez fait vos diminutions, il vous reste 38 mailles au total. Vous allez tricoter encore pendant 4 rangs ces 38 mailles. Sans faire de diminution, vous tricotez vos 38 mailles pendant 4 rangs. Soit ici, en partant de votre emmanchure ici, de la base ici, vous ayez 14 rangées de points mousse. Une fois que vous en avez 14, vous allez tricoter pendant 8 rangs à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, vos 38 mailles pendant 8 rangs. Soit, regardez, 1, 2, 3, 4 rangées de points mousse. Et vous allez rabattre vos mailles. Donc ça, c'est pour le devant. Le devant de notre robe, regardez, vous allez, une fois que vous avez tricoté vos 8 rangs, vous rabattez vos mailles. Pour le dos, vous allez tricoter exactement la même chose. Vous allez tricoter à l'identique ce que nous venons de faire pour le devant de notre robe. Une fois que vous avez tout fait, vous avez fait vos diminutions, vos emmanchures, vos 8 rangs ici, nous allons tricoter des bretelles. Et pour cela, nous allons tricoter 10 mailles à l'endroit avec notre maille lisière. 3, 4, 5, 6, on peut enlever nos anneaux marqueurs, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. On compte 1, 2, 3, 4, 5, je les compte 2 par 2, donc ça me fait 10 mailles. Nous allons rabattre 18 mailles. Donc, par la méthode du surjet simple, par la méthode de votre choix, vous faites comme vous avez envie de rabattre, ça n'a aucune importance. Ne serrez pas trop. Et on va rabattre jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles au total sur notre aiguille. Donc moi je compte pas, je vais juste compter les mailles qui me restent, c'est beaucoup plus simple. Alors. Alors, je vérifie. Ici, j'ai 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai fait une diminution en plus. Donc, il faut que vous ayez 10 mailles sur votre aiguille. Donc, et vous tricotez. Et on va tricoter, donc on enlève notre anneau marqueur et on tricote nos 10 mailles. Nous allons tricoter dans un premier temps notre bretelle, celui-ci, et après on tricotera l'autre bretelle. Alors, vous allez tricoter pendant à peu près
24 rangs, soit 12 barres de point mousse. En tricotant, c'est du mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, jusqu'à ce que vous ayez 24 rangs. Donc là, on a fait deux rangs ensemble, on continue ainsi à tricoter. Alors, la bretelle, je vous avais dit de tricoter pendant 24 rangs. Moi, j'ai tricoté 26 rangs. Et en comptant d'ici, ou en comptant d'ici, regardez, vous devez avoir 17 barres de points mousse. Et maintenant, nous allons faire nos boutonnières. Nous sommes sur l'endroit du travail. Et on passe notre maille lisière. Et tout de suite après, deux mailles ensemble, un jeté, quatre mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble et notre maille lisière. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Maintenant, vous allez tricoter encore quatre rangs. Donc là, je tricote. Regardez, nos jetés, on les tricote à l'endroit. Voilà. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter encore pendant 4 rangs. Alors, regardez, j'ai dû attacher ma deuxième pelote pour faire cette partie-là de la bretelle. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, si vous avez envie de tricoter qu'avec une seule pelote, si vous n'avez pas envie de commander une deuxième pelote, si vous utilisez la même laine que moi, ou alors, si vous ne voulez pas acheter une deuxième pelote, ce que vous pouvez faire pour gagner, donc je le dirai en début de vidéo aussi pour que ça soit plus simple, vous pouvez donc, ici au lieu de faire 4 rangs, vous pouvez faire 3 rangs, mais ça je le redirai en début de vidéo si vous ne voulez pas utiliser une deuxième pelote, parce que là vraiment, regardez, c'est juste pour faire cette partie de la bretelle. Pardon. Alors, et maintenant, donc, vous tricotez encore 4 rangs et vous rabattez vos mailles. Donc, moi, j'ai tricoté donc la bretelle que nous avions commencé ensemble et je l'ai terminée. Donc, après les boutonnières, j'ai tricoté 4 rangs et j'ai rabattu. Une fois que vous avez terminé votre première bretelle, vous allez passer comme ceci, regardez. Comme nous sommes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit et faire exactement la même chose que ce côté-ci, tricoter pendant 26 rangs. Et une fois que vous avez tricoté, c'est-à-dire que en partant de la base ici, regardez, des points mousse qu'on a ici sur le devant, une fois que vous avez 17 barres de points mousse, vous faites vos boutonnières exactement, donc les deux bretelles exactement pareilles. Vous faites vos deux boutonnières, vous tricotez pendant 4 rangs et vous rabattez. Et après, il ne nous restera plus qu'à coudre nos boutons et à assembler notre robe en tricotant, en cousant, pardon, ici au niveau des... Une fois que nos deux bretelles sont terminées, nous n'avons plus qu'à mettre nos petits boutons, deux de chaque côté sur le devant. Si vous désirez, ce que vous pouvez faire, c'est faire des bretelles plus longues avec une autre rangée de boutonnières de façon à l'adapter quand votre enfant sera un peu plus grand. Donc, les coutures sur les côtés ont été faites, des deux côtés. Voilà les tricopines, notre petite robe est terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos. Et surtout, surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à très très vite dans les
tricot de Gulle pour un prochain projet.